Votre logo ne doit pas comporter plusieurs polices de caractère, mais juste une seule. Un caractère gras, mais pas trop fin et facile à lire. Évitez le manuscrit et trop fin. Vous risquerez de perdre sa lisibilité et son équilibre. Votre logo ne doit pas être illisible. Il doit être reconnaissable et facile à mémoriser. Il doit être simple comme l'exemple d'Apple. Votre logo ne doit pas comporter plus de 3-4 couleurs maxi. Votre logo ne doit pas être un arc-en-ciel. Il doit être mis en valeur et cohérent avec l'univers de votre marque et de votre charte graphique. Votre logo ne doit pas être négligé. Il doit être reflété l'image de votre marque et de votre entreprise. Votre logo ne doit pas être changé tout le temps. Les gens doivent vous identifier et se connecter avec vous sur le long terme. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu pour me soutenir mon travail et partagez cette vidéo autour de vous pour aider un maximum de personnes qui souhaitent apprendre cette astuce. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Ciao !